وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala a parlé, ça fait partie des sifat, des caractéristiques, des qualités d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contrairement à ceux qui disent qu'Allah il est muet. Pour eux, ils adorent un Seigneur qui n'est pas capable de parler. Et le fait de parler, ça fait partie des qualités de la perfection. Mais on sait que rien ne ressemble à Allah. Ce n'est pas la parole comme la parole d'une créature. Il n'y a rien qui lui est semblable, et c'est lui l'entendant et le voyant. Quand on parle, barakallahu fikum, quand on nomme une qualité, un nom, une qualité d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut toujours avoir à l'esprit certaines règles. Premièrement, on l'affirme comme Allah ta'ala l'a affirmé, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. Deuxièmement, on y croit. On l'affirme, on y croit. On peut le mettre dans le même point. Sans demander comment, sans rejeter son sens, sans l'interpréter ou falsifier, et sans dire qu'il est semblable à une qualité parmi les qualités et les caractéristiques des créatures. À chaque fois qu'on va entendre parler des qualités et des noms d'Allah, il faut avoir ces règles toujours à l'esprit. Et c'est comme ça la croyance des gens de la sunna et du consensus concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا